Bonjour. Bonjour, bonjour. Ce matin, je vais saluer quelques-uns. Bonjour, Omar Sam. Bonjour. Mamadou Ali Mouba, salut à toi, force à toi aussi. On va saluer au moins pour une minute. On va saluer. Une minute et on démarre. Bonjour la famille Diallo Ibe. Salut à toi. Bonjour. Mamadou Bassirou Diallo, salut à toi mon frère. Souleymane Ba, big up à toi mon frère. Eladji Omar, salut à toi. Mohamed Ba, salut à toi. Mamadou Ba Camara, salut à toi mon frère. Moins une minute de salutation pour vous. Merci pour le cœur, Mamadou Ba Camara, merci. Ibra Ferrat, salut à toi. Bobo Moni, salut à toi. Mousto Souma, salut à toi, mon frère. Suleiman Ben Ibrahim, salut à toi. Baldesselou, salut à toi. Oui, salut, ça vient. Sajano, malgré tout, salut à toi, parce que tu es toujours là à merder. Mais le gars la souffre. Dalaba, salut à toi. Alsen, Diaoune, salut à toi. Djulde, salut à toi. Bouba, salut à toi. Amen. Aruna, salut à toi. Omar Diego, salut à toi. Alpho Diallo, salut. Kenyeko, salut. Ça vient, il reste un peu, on commence. Allez. Bapada, salut à toi. Al-Kalim, salut à toi. Mamadou Premier, salut à toi. Et bien voilà, il fait déjà 100, Abdoulaye Diallo. Salut à toi. Alors, on commence, on est déjà à 100 et quelques. Voilà. Donc, Yagouba, Yagouba Baldé, salut à toi. Mamadou Saliou, salut à toi. Merci vraiment, mon frère Mamadou Ba Camaras. Merci. Alors, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour la Guinée, bonjour à sa jeunesse consciente. Bonjour à tous les combattants, bonjour à tous les révolutionnaires de la Guinée. Et je suis fier de vous. Bonjour Omar Diallo, bonjour. Donc, Diallo Ahmed, bonjour. Je disais ce matin, je vais vous faire juste au calme, je vais vous faire un peu le briefing de la semaine, de ce qui se passe. Et que nous allons commencer par le CNT de Dansa Kuruma. Je vais encore donner certaines révélations que vous avez écoutées ou peut-être certaines n'ont pas eu le temps d'écouter. Mais vous allez voir encore, shérif, salut à toi. Vous allez voir encore que ce pays est mal barré. Souleymane Diallo, salut. Ce pays est mal barré. Et Mamadou Mouktar Diallo, salut mon frère. Ça fait longtemps. Salut, salut, salut. Merci vraiment. Je vais vous le dire. On va commencer avec l'arnaque du CNT. Ba Alassane, salut. Lams Dalaba, salut. Mamadou Chérif, salut. Alors, merci.
Et je pense déjà, on est là à 140, 100, bientôt 150, c'est bon, je commence le schisme. La prochaine fois aussi, je continue avec vous, les salutations. Merci. Alors, je disais, nous allons commencer avec l'arnaque du CNT. Pourquoi je dis arnaque, vous allez le savoir tout à l'heure. Et de là, je vais vous parler de Kassori Fofana et si ces personnes-là viennent de confirmer eux-mêmes qu'ils sont des voleurs de la République. Et j'aimerais que vous taguiez tous ceux qui les défendent. J'aimerais que vous taguiez dans Sakuruma, vous taguiez tous ceux qui défendent les Kassori Fofana et autres. Taguez-les. J'aimerais que vous taguiez tous les ministres que vous connaissez du gouvernement Béhavogui parce qu'on va parler d'eux aussi, du populisme qu'ils sont en train de faire par la volonté de leur patron Doumbouya et que derrière ce populisme, il y a une dilapidation. Merci, ministre Kamano. Merci, ministre Kamano. Futur ministre Kamano. Merci beaucoup, mon frère. Donc, du populisme, ils sont en train, derrière le populisme, ils sont en train de faire une dilapidation de nos fonds. Et vous allez comprendre tout à l'heure. Alors, je commence par le CNT. Je ne sais pas si vous avez regardé les grandes gueules hier, le passage d'un conseiller du CNT dans les grandes gueules, du nom de Jean-Paul Kotembedounon, un jeune frère que j'ai beaucoup, 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 beaucoup eu de l'estime et beaucoup de respect pour lui. Et à sa désignation pour être conseiller du CNT, vous avez constaté que j'ai publié sa photo sur ma page pour vous dire que du moment où lui, il est au CNT, je peux me coucher et dormir tranquillement parce que je sais, c'est un jeune intellectuel, c'est un jeune dévoué, je veux un jeune, je ne sais pas comment le qualifier, qui connaissait tout ce qui est de la juridiction. Parce que c'est un juriste vraiment avéré. Et là, j'ai partagé, il enseigne à la Sorbonne. Donc, quand je l'ai vu, j'ai vu sa désignation pour participer au CNT, j'ai fait cette publication. Ce jeune était hier sur les grandes gueules. Mais ce qui m'a étonné, il y a eu des sujets hier qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup étonné dans les déclarations du jeune. Vous allez comprendre. Le jeune a fait comprendre dans les grandes gueules d'abord, avant tout, il était là, mais méfiant. Il était méfiant. Pourquoi méfiant? Parce que avec certaines questions, quand on veut lui poser certaines questions, il te dit clair. Je vais répondre à ta réponse, même si ce terrain semble glissant. Il te dit ça. Écoutez bien le mot. Quand il veut répondre, il dit, je vais me forcer à voir si je peux satisfaire pour ta réponse, ta question, mais je sais que le terrain est glissant. Ça signifie qu'il nomme pas le CNT au sein du CNT et dans ce CNT-là n'a pas vraiment la voix au chapitre, ce ne sont pas eux qui décident. Et il y a des coups bas, il y a des choses qu'on refuse de nous dire qui est cachée dans ce CNT, avec Doumbouya, dans cette transition. Parce que lorsqu'on pense déjà avoir un terrain glissant pour une réponse donnée, on voit déjà qu'il y a des choses qui sont cachées au peuple. Le jeune a voulu nous faire comprendre que il y a des choses qui nous sont cachées. C'est caché au peuple. Si il s'aventure à aller dans les détails, ce terrain sera glissant et ça lui fera l'objet. Je ne sais pas de quoi ça va être, soit d'être limogé ou d'être interpellé. Là, j'ai fini par comprendre qu'on nous cache quelque chose avec le CNT. Mais loin de là, voilà ce qui m'a encore fait plus mal. Plus mal. Le CN, il dit, le jeune juriste, Kotamedouno, dit, les 36 mois, avant d'abord les 39 mois, la durée de la transition,
le CNT n'est pas habilité. C'est lui qui le dit. Hein. Le CNT, juridiquement, il dit, quand nous faisons face à la législation, il dit juridiquement, le CNT n'a pas la vocation de valider une durée de la durée de la transition. Il dit que ce n'est pas dans leur prérogative de valider la durée de la transition. C'est lui qui le dit. Je dis, ah bon? Il nous dit de cela, mais qu'attention, que le CNT a le droit. Le CNT, son droit, c'est quoi? D'apprécier ou de donner son avis, puisque ils sont une composante aussi des forces vives. Ils peuvent être appelés forces vives, mais pas les forces vives. Ils ne sont pas les forces vives, mais ils font partie des forces vives. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est un organe qui est là, qui a en son sein des personnes qui peuvent être membres des forces vives, mais ce n'est pas eux, le CNT, qui est appelé force vive. Il a fait comprendre ça. Moi, j'ai compris de ce qu'il a dit. Ce CNT-là, que Doumbouya pense que c'est ce CNT qui représente les forces vives, le jeune juriste vient de nous faire comprendre que eux, au sein du CNT, il y a des organes qui font partie des forces vives, mais le CNT n'est pas les forces vives. Ça, c'est clair. Mais je me pose la question. Pourquoi Doumbouya a-t-il donné, selon lui, parce qu'ils sont comme ça, dos à dos, dans cette analyse. Doumbouya et son CNRD pensent que c'est Doumbouya et le CNT qui est appelé pour lui force vive, qui définissent la durée de la transition. Le son est parti? Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi signe si vous m'entendez. Je vois quelqu'un dire que le son est parti. Vous m'entendez? Mais quelqu'un dit que le son est parti. Ok, merci alors. Si vous m'entendez, merci, je continue. Merci beaucoup. Merci alors. Merci mes frères, merci. J'avais vu quelqu'un avait signalé que le son est parti. Ok, merci beaucoup, merci. Donc, je disais que l'article 77 de la charte de la transition, il était dit que le choix de la durée de la transition était fait entre les forces vives de la nation et le CNRD. Maintenant, pour le CNRD, il considère que c'est le CNT qui constitue les forces vives de la nation. Et pourtant, le jeune juriste vient montrer que, de par la législation, ce CNT n'est pas habilité à valider ou à se prononcer ou à donner une durée de la transition. Il a fait comprendre. Donc, cela veut dire, mais il dit, loin de là, ils ont aussi leur appréciation, c'est-à-dire, ils peuvent donner leur avis. Leur avis peut ne pas être pris en compte. Ils peuvent donner leur avis sur la durée de la transition choisie par le CNRD, parce que c'est le CNRD qui définit la durée de la transition, et qu'eux, ils peuvent donner leur appréciation par rapport à ce qu'ils ont donné ou donner leur avis par rapport à ce que Doumbouya a donné avec son CNRD. Maintenant, Doumbouya donne la durée, un document au CNT portant une durée de 39 mois. On lui demande, mais si vous n'êtes pas habilité à le faire, pourquoi vous avez diminué de 39, vous êtes venu à 36, à 36 mois. Pourquoi cela a été fait? Si le CNT n'est pas habilité à le faire, pourquoi cela a été fait? Il dit bien, il a dit bien, comprenez, les 36 mois choisis, l'avis du CNT donné de 36 mois,
ne pouvait ne pas être prise en compte par le CNRD. Ce n'est pas une obligation que le CNRD prend ses 36 mois comme pour dire que voilà que le CNT vient de valider les 36 mois. Et c'est ce que Doumbouya a fait. Doumbouya, lui, nous fait comprendre avec son CNRD que les 36 mois, parce que j'ai vu, hein, j'ai regardé en direct dans la salle, où même certains conseillers ont quitté la salle. J'ai publié quand cela s'est fait, parce que je regardais en direct. J'ai vu les membres du CNRD dans la salle. J'ai vu certains diplomates dans la salle. Ils invitent tout ceci-là dans une appréciation qui n'est pas une obligation. Pourquoi? Ils ont invité ces diplomates, ces ambassadeurs et autres-là à venir dans la salle pendant que le CNT était en train de donner son avis. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent nous montrer que c'est le CNT qui valide la durée de la transition. Et vous avez vu, le CNRD connaît, mais il joue avec nos mentalités parce que dès que ceci-là, on parle, ils disent, ils prennent acte. C'est ce que le CNRD a dit, qu'ils prennent acte. Et le jeune nous fait comprendre, mais ce qui m'a fait mal, le CNT sur qui nous comptons aujourd'hui, oui, je sais bien, je parle de Jean-Paul Kotemeduno, il est au CNT. Je connais bien, c'est pour cela que je vous dis. Je dis, ce qui m'a fait mal, on nous fait comprendre que c'est ce CNT qui doit défendre les intérêts du peuple de Guinée, parce qu'ils sont quelque part comme une législation. Mais puisqu'ils ne sont pas légaux, ils ne sont pas installés par des institutions, par les lois de la République, mais à travers une petite constitution qui est la charte, c'est ce qui les donne ce privilège à travers le décret du président Doumbouya. Ils sont aujourd'hui légitimes pour représenter le peuple, mais ils ne sont pas légaux. Ce qui m'a fait mal dans notre légitimité donnée à ce CNT, le CNT reçoit un document avec 39 mois et que Doumbouya n'a jamais donné. 39 mois débute quand et ça doit finir quand? Voyez ce qui me fait mal. Doumbouya les donne un document qui ne porte jamais le début de la transition et la fin de la transition. Au moins, il allait le dire. 39 mois à compter du 5 septembre pour finir en 2024 ou 2023. Vous comprenez? Et le CNT se permet, on demande aux jeunes, comment vous avez pu avoir ce document? Vous n'avez pas eu le début de la durée de la transition et la fin de la durée de la transition, vous n'avez pas eu ça sur la table et vous vous êtes mis à apprécier cela. Comment vous avez fait? Parce qu'on lui a demandé, vous avez choisi les 36 mois. Et ce qui fait mal, le CNT aussi choisit les 36 mois sans mettre dans le document à quand débutent leurs 36 mois. Le CNT aussi fait ça. Voilà ce qui me fait mal. J'aurais cru que ce CNT que Doumbouya se réfère pour nous faire croire que c'est le CNT qui est les forces vives de la nation. Au moins, ce CNT qui a choisi les 36 mois devrait être honnête avec eux-mêmes, ils devraient être honnêtes avec le peuple de Guinée en mentionnant. Nous décidions qu'à travers le chronogramme donné, ce début de travail de ce chronogramme, telle activité va démarrer tel mois pour finir tel mois, l'autre là viendra de tel mois pour finir tel mois, avec des périodes bien données, le CNT devrait au moins pouvoir nous planifier ça devant le CNRD est devant le peuple de Guinée pour nous dire que nous choisissons 36 mois, mais nos 36 mois seront répartis comment? Le recensement de tous les Guinéens se fera à commencer de telle date à telle date. Ça aura 5 mois, ça aura 6 mois ou une année. On quittera le recensement électoral, c'est-à-dire des citoyens pour le vote, se fera de telle à telle.
Et le CNT devrait être capable pour nous dire que nos 36 mois débutent à partir du 1er mai ou à partir du 5 septembre. Là, on aurait su que le CNT est vraiment honnête avec le peuple et avec eux-mêmes. Mais nous avons fini par comprendre que et le CNT et le CNRD, c'est des gens qui sont en complicité pour tromper la Guinée. C'est des gens qui sont en complicité pour faire mal au peuple de Guinée. C'est des gens qui sont en mariage. Ils sont ensemble pour faire mal à la Guinée. Parce que ni le CNRD n'a pu donner dans ces 39 mois le début de la transition, ni la fin. Ni le CNT, dans sa réduction des 39 mois à 36 mois, n'a pu donner le début de la transition et la fin de la transition. Ce n'est pas de l'arnaque. Ce n'est pas de l'arnaque qu'ils sont en train de faire au peuple. Ils ne sont pas en train de jouer avec notre conscience. Même si nous ne sommes pas d'accord aujourd'hui avec les 39 mois, mais au moins qu'on puisse nous dire les 39 ou les 36 débutent de telle à telle date. Nous aurons la fin de la transition. Mais vous avez su. Pour vous, chaque fois quand on fait, vous ne prenez pas le temps de lire le discours de Doumbouya. Le message que Doumbouya a lu à la télé, son discours, Doumbouya n'a jamais, 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 dans tout son discours, il n'a jamais parlé de la fin de la transition. Allez-y lire. Moi, j'ai relu le discours, j'ai relu à plusieurs reprises. Je n'ai jamais entendu la fin de la transition dans le discours de Doumbouya, où il venait mentionner la sortie de cette transition. Il ne l'a pas fait. Pourtant, avant, Doumbouya parlait de ça. Mais dans son discours tenu devant le peuple, le discours qu'il a transféré au CNT ne parlait jamais de la fin de la transition. Si je mens, allez-y prendre la partie. Venez me l'envoyer. Je publie sur ma page que oui, j'ai menti. Doumbouya a parlé de la fin de la transition. Je dis devant toute la Guinée que j'ai menti. Moi, j'ai lu ça. Ça vous prouve que les gens-là ne sont pas prêts. Ils veulent continuer à amadouer le peuple. Ils veulent continuer à nous prendre pour des cons, pour des personnes qui ne connaissent rien. Ce jeune, quand j'ai entendu ça, et c'était où il vous dit que le terrain est glissant, c'était là, la question là. Dès qu'on lui a dit, à quand débutent les 36 mois que vous avez donnés au CNRD, vous, en tant que CNT, à quand débutent? Il dit que ce terrain est glissant, qu'il ne pourra pas s'aventurer sur ça. Qu'ils n'ont pas, on les a pas donné d'apprécier sur le début. On les a donné que seulement d'apprécier c'est-à-dire sur le chronogramme. Que, mais ils voient que les gens étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup axés sur la durée de la transition que de donner la valeur à ce qui est du chronogramme. C'est-à-dire comment va se tenir le chronogramme. Que donc, eux, on ne les a pas donné à apprécier sur le début de la transition et la fin de la transition, mais on les a dit d'apprécier les mois choisis et le chrono et ce qui doit être accompli pendant ces mois. Mais attendez, c'est impossible ça. C'est impossible. J'ai choisi 39 mois pour une transition. Avant même que tu commences n'importe quel travail, tu dois d'abord me demander, tes 39 mois là, ça débute quand? Ou ça a débuté quand? Ça finit quand? Ou ça finira quand? Mais vous prenez un document que tout le peuple attend. Et déjà, on ne peut même pas s'attendre parce que la façon dont j'ai vu dans ça. Et c'est maintenant là que j'ai compris. Parce que quand le monsieur s'est énervé dans la salle, le monsieur a dit motion. Je regardais. Il dit à Dansa Kuruma motion. Dansa lui dit non, 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 tu n'as plus droit à la parole. Assois-toi. Il dit non, 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 motion. Il dit mais vous ne pouvez pas me retirer la motion.
Dans ça dit que je ne te donne pas la parole. Assois-toi. Et le monsieur a dit, si tu dois me faire asseoir par, sans me donner la parole, j'ai demandé pour me retirer la motion, je préfère quitter la salle. Et dans ça dit carrément, tu es libre de faire, tu peux partir. Waouh. Quand j'ai vu, j'ai dit, c'est fou. C'est fou. Le pouvoir rend fou. Le pouvoir rend fou. Le pouvoir rend fou. C'est toi dans ça qui dis aujourd'hui à un conseiller de se barrer s'il veut et que tu n'as pas besoin d'entendre. Pourtant, ce conseiller dont tu as choisi, tu as dit qu'il est la voix du peuple. Il représente un peuple. Il représente certains Guinéens. Il est là-bas au nom de nous. Et il te dit, motion, tu lui retires la motion. Et tu dis carrément, à l'intention de ceux qui sont dans la salle, quand le monsieur est sorti, à l'intention de ceux qui sont dans la salle, comprenez que nous avons des personnalités parmi nous, on a de grandes personnalités parmi nous. On s'en fout. Des grandes personnalités sont venues pourquoi? Ils sont venus pourquoi? Ils n'avaient même pas le droit d'être là-bas. Parce que ce n'était pas à vous. Ce n'était pas à vous de donner cette durée de la transition comme le pense Doumbouya, que c'est à vous de valider. Le jeune a fini par montrer. Mais ce qui m'a fait mal, j'ai compris que même lui, il voit que ça ne va pas, mais il comment il parlait? Vous êtes encore dans un clan. Cette solidarité gouvernementale qu'on a vue avec Alpha Condé, et aujourd'hui, là, une solidarité au sein du CNT contre le peuple de Guinée. Hier, avec Alpha Condé, on a vu une solidarité gouvernementale contre le peuple de Guinée. Aujourd'hui, c'est une solidarité du CNT, des conseils du CNT, contre le peuple de Guinée. Sur 81, il n'y a eu que 3 bons citoyens guinéens qui ont dit on n'est pas d'accord avec les 39. Et qu'on n'est même pas habilité. Ils ont dit, les 3 là ont dit, ils ont même dit que le CNT n'est même pas habilité à valider la durée de la transition. Ce n'est pas à vous de choisir la durée de la transition. Maintenant, Doumbouya prend acte. Mais Doumbouya fait quoi? Vous avez fini de donner. Doumbouya a donné. Est-ce jusque-là, là, nous sommes en transition ou on n'est pas encore en transition? Voilà l'arnaque. Voilà l'arnaque. Jusque-là, aucun Guinéen ne peut te dire si on a débuté la transition ou pas. Ni Doumbouya ne peut te dire, ni le CNT ne peut te dire, ni les ministres ne peuvent vous dire. On continue à aller. Je vous promets. On continue comme ça. Doumbouya fera une année et il n'aura même pas la moitié ou bien le un tiers de ce que Dadis a fait, il ne le fera pas. Ce que le CNDD a fait en 8 mois, pendant que Dadis était là, Doumbouya fera une année comme ça, de la manière qu'on est en train de faire. On est déjà à 10 mois et quelqu'un continue pour aller. On fera une année. Doumbouya ne fera même pas les 8, ce que Dadis a fait en 6 mois. Si on continue comme ça. Si on continue comme ça, je suis dessus du CNT. Je suis dessus de savoir que cet organe-là, c'est vraiment de l'arnaque contre le peuple. Ils ne sont plus les conseillers du peuple. Ils ne représentent pas le peuple. Ils représentent le CNRD. Alors, CNT, CNRD, c'est fini. C'est des gens qui sont comme ça. On les a fait comme ça. Et on les a mis dans le coffre-fort du CNRD. Ils exécutent ce que le CNRD dit. Point final à Bana. Il n'y a rien derrière. Ne comptez pas sur Dansa et son CNT qu'ils feront quelque chose. Et vous avez compris. Hein? Il vous dit, tout sera là-bas par vote. Qui va parler de vote? Le premier vote d'abord pour fixer la durée de la transition, seuls 3 ont voté contre.
sur le 81. Dites-moi. 78. Et vous attendez quoi d'eux? Rien. Maintenant, je vais vous parler de, disons, de Kassori et si. Vous allez comprendre que c'est facile en Guinée. Si je vois déjà certains RPGistes qui sont en train de dire que nous avons le FNDC à encourager, à interpeller afin que les militaires prennent le pouvoir, et aujourd'hui, c'est bien fait pour nous d'avoir cela. Nous, ce qu'on a fait, on est fiers de l'avoir fait. Ce qu'on a fait, chasser Alpha Condé du pouvoir, on est fiers de l'avoir fait. Vous êtes fiers, vous, mes fans. Tous ceux qui se sont battus contre Alpha Condé sont fiers. Il se peut que vous n'avez rien compris, mais ce que je vous dis, nous sommes fiers. Fiers d'avoir chassé Alpha Condé, le tyran, le despote, le sanguinaire du pouvoir. Là, on est fiers. Maintenant, je vous parle du clan Alpha Condé. Ils ouvrent les oreilles, ceux qui sont en train de dire ce qui était le pouvoir d'Alpha Condé. Vous allez comprendre tout de suite. Est-ce que vous savez pourquoi Kassori et si se sont retournés encore en prison? Regardez. Kassori Fofana est si arrêté pour le vol de nos ressources. Ils ont volé les biens publics. Ils ont volé le peuple de Guinée. Ils ont dilapidé nos fonds. Ils ont tout vandalisé. Mais on arrête Kassori et ses amis. Ces gens-là nous disent qu'ils ne sont, je ne sais pas comment le dire, qu'ils ne sont pour rien dans ce qu'on les accuse. Qu'ils ne sont responsables de rien et que leur dossier est vide. Leur arrestation, c'est tout simplement de l'acharnement contre eux. Ils n'ont rien volé au peuple. Il n'y a aucune preuve. Parce qu'on a écouté, cet avocat qui est venu du Sénégal. On a écouté les avocats des Kassori en Guinée. Ils ont dit que le dossier est vide et que leurs clients n'ont rien volé. Leurs clients ne se reprochent de rien et que rien du tout. Seul l'acharnement contre les Kassori Fofana ici. Waouh! Et très bizarrement, comme ils ne sont pas intelligents, et Kassori, et ses avocats qui les ont défendus, très bizarrement, ils tombent dans leur propre piège pour dire que quand tu voles le peuple, quelles qu'en soient les méthodes que tu vas utiliser, tu finiras par tomber dans ton propre piège et que Dieu te fera sortir devant, c'est-à-dire au soleil, à la lumière pour te voir. C'est ce qui est arrivé à Kassori. Et si, demandez-moi pourquoi. On accuse les Kassori d'avoir dilapidé des milliards. Ils restent en prison. Ils font une politique, on les envoie en prison. On les garde pour un instant parce qu'ils ont refusé de reconnaître, de ne rien reconnaître. Ils ont tout fait, ils refusent de rien reconnaître. Et les avocats et les Kassori, pas de traces ni rien, ils refusent carrément. Et qu'est-ce que la grief utilise? Une méthode très simple que nous utilisons, même nous les enfants qui n'ont pas fait, moi qui ne suis pas avocat, je connais ça là. Ils utilisent quoi? On les met en prison. Gardez-les pour un instant. On les garde, des personnes qui se disent qu'ils ne sont pas voleurs, qui n'ont jamais volé des milliards, qu'ils se sont toujours contentés que de leur salaire. Tout ce qu'ils ont, c'est leur salaire. Ils ont travaillé que pour le peuple. Ils n'ont rien volé. Ils sont blancs comme neige. Et on les fait quoi? On les envoie en prison. On les garde pour quelques semaines. Pan,
On les tend le gros morceau. On les tend un gros morceau pour les dire. Si vous voulez une liberté provisoire, vous pouvez payer une caution pour vous mettre en liberté provisoire. C'est là. Ils ne sont pas intelligents, les gens-là. Le RPG, c'est là, vous avez... C'est-à-dire, c'est là, rien n'est passé dans votre tête. On vous tend le gros morceau. On vous dit, vous pouvez payer une caution. Vous allez rentrer à la maison, être sous surveillance judiciaire. Monsieur, toi qui n'as pas volé, qu'on accuse aujourd'hui d'avoir volé des milliards. Toi qui n'as pas volé, toi qui as ton petit salaire, comme les autres administrateurs, comme les autres travailleurs de la République, comme tout Guinéen qui a son salaire de 2 millions ou 3 millions par mois, ou 10 millions par mois, au maximum 20 millions par mois. Monsieur, c'est toi qui es capable de payer 30 milliards de francs guinéens pour ta liberté provisoire. Que c'est fou. Que c'est fou de croire à ça. Monsieur, c'est toi qui es capable de payer 20 milliards de francs guinéens pour ta liberté provisoire. Voilà où ils vous ont eu. Je n'ai jamais volé des milliards. Mais on te demande pour sortir. Tu as des milliards pour payer. Monsieur, tu es voleur. On demande, il y a eu perte d'une tonne de sacs de riz ici. Tu dis, je ne connais rien par rapport à la perte de la tonne du sac de riz. Des sacs de riz plutôt. Tu dis carrément que tu ne connais rien de ça, la tonne qui est perdue. Mais bizarrement, tu as la possibilité, pour avoir ta liberté provisoire, tu dis à ces personnes-là, je n'ai pas volé les 20 sacs de riz qui étaient ici, la tonne-là, ce n'est pas moi, j'ai volé. Mais remettez-moi en liberté, je vais vous donner au moins 3 sacs de riz. mes frères, vous êtes malades, vous. On vous a eu. Si la CRIAF vous libère, c'est qu'ils sont complices dans cette affaire. Sinon, nous, devant nous, le peuple de Guinée, vous avez déjà montré que vous êtes voleur. Hé, mon frère, il y a 10 bidons de lait de vache qui étaient dans ce magasin qui est perdu, ça appartenait au village. Il semblerait que c'est toi qui as pris les 10 bidons de lait là. Tu dis, wallahi billahi, c'est pas moi j'ai pris les 10 bidons de lait. Je n'ai jamais pris. Je ne me suis même pas approché à côté. On te met seulement au gnouf. Tu fais quelques semaines, on t'appelle. Si tu veux ta liberté provisoire là, pour que tu retournes à la maison à côté des madames, à côté des enfants, et puis tu vas causer avec des gens, tu peux payer quelque chose pour que tu retournes à côté de madame. Tu peux payer quelque chose. Tu dis, ok, si c'est comme ça, j'ai quand même trois bidons de lait. Je vais vous donner les 3 bidons de lait. Vous allez prendre. Eh, monsieur, toi qui n'as jamais volé lait, c'est toi qui as 3 bidons de lait. Pourtant, nous, nos 10 bidons de lait sont perdus dans le pays là. Toi, tu as 3 bidons chez toi. Comment tu as eu les 3 bidons? Alors, explique-nous. Alors, Kassori, expliquez-nous comment vous avez eu les 30 milliards là. Avec quel salaire? Oye, Guilabogui, explique-nous comment tu as eu les 20 milliards. Avec quel salaire? Vous tous là, comment vous avez eu ces milliards et avec quel salaire? Pourtant, vous n'êtes pas voleur, mais on vous reproche d'avoir volé des milliards. Et vous voulez avoir votre liberté avec des milliards. Vous voyez? Comment c'est simple d'avoir, quand vous volez le peuple là, Dieu dit que moi je vais vous faire tomber. Je pense que si la CRIAF vous libère, ils sont complices, vous êtes des voleurs pillants. Il faut les garder dedans.
On te reproche d'avoir volé des milliards et c'est toi qui dis je n'ai jamais volé des milliards, moi je ne vis qu'avec mon salaire et c'est toi qui as le culot de sortir 30 milliards pour ta liberté provisoire. Provisoire, 30 milliards. Et si c'est pour une liberté définitive, monsieur est capable de donner 100 milliards pour une liberté définitive. RPG. Vos patrons, ils ne sont pas intelligents. RPG, je vous ai dit, moi, avec vous là, si j'étais vous là, venez me demander des conseils, je vous montre comment on fonctionne, la tête de l'homme fonctionne. Vous n'avez pas de tête, vos patrons sont, ils sont maboules, c'est des cons. Vous allez avoir le courage de sortir dire qu'ils n'ont rien volé. Vous allez dire que c'est un acharnement contre eux. Vous avez dit ça, que c'est un acharnement contre eux. Comme le dit le comédien, ils n'ont pas vu le phase là. Vous n'avez rien vu. Et je n'ai jamais vu ça. Même dans notre langue nationale là, je vais vous le dire en kisi. En kisi, hein, ça veut dire quoi? Hein? Vous voulez ça? Atouvando nouvia le wile deo. Nomkofula agbe ando le bon. Vous connaissez ça? Atouvando nouvia le wile deo. Nomkofula agbe ando le bon. Vous connaissez l'amidon? L'amidon. Certains le mélangent pour le faire. Soit on le fait. À Malinké, on dit de. Vous connaissez ça? De. Quand on pile le riz là. On essaie de bien tamir ça là. Et on enlève la poudre là. La poudre là, on le mélange avec le sucre. Vous connaissez ça? Et certains font le sacrifice avec ça là. Ils mettent même des colas là-dessus. On est en train de chercher le voleur de Dé là. Dé. L'amidon là. On est en train de chercher ce voleur. Et toi, tu sors avec poudre de poudre de ça sur ta tête. Est-ce qu'on va demander que c'est toi le voleur? En qui, si on le dit encore, tu as vu, par exemple, vous êtes en train de chercher le chien qui a mangé le caca. Pendant que vous cherchez le chien qui a mangé le caca, ils se disent tous qu'ils n'ont rien mangé. Et bizarrement, vous voyez un chien qui sort avec le caca sur sa bouche. C'est ce que les gens là ont fait comme ça. On t'accuse du vol des milliards et toi tu oses dire que je donne des milliards pour ma liberté provisoire. Monsieur, tu es voleur. Merci mon frère. Chobal, hein? C'est Chobal. Ampoula. Ils sont fous, ils sont fous. Les gens là n'ont pas la tête. Quand j'ai vu ça là, ils ont crié pom 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 pom. Il reste à faire un petit jeu de tournage de film. Ils tombent dans leur propre film et ils meurent. L'acteur lui-même qui a tourné le film se voit tué dans son propre film. Hmm? C'est quel genre de film même on a vu ça là à l'époque? Ça m'a beaucoup fait pleurer. Un film que l'acteur meurt. Vous pouvez vous rappeler de ce film-là et me mettre le titre ici. Le film-là me faisait très mal. L'acteur lui-même meurt. C'est pareil que même Terminator. Voilà. Ça, c'est du genre Terminator. Ça finit même avec l'acteur. Commando tue l'acteur qui se transforme à chaque fois. Tantôt, il devient blanc. Tantôt, il devient robot. Tantôt, il devient toi. Et à la fin, Terminator le tue. Terminator lui-même aussi meurt. Voilà. Les voleurs, RPG, vos cadres sont des voleurs. RPG, vos cadres sont des voleurs. Vous avez volé ce pays. Et ce Titanic de voile là va partir. Vous allez mourir tous dedans. Vous êtes des voleurs. Gladiator, merci mon frère. Titanic, merci mon frère. Alors, on passe sur
ce dossier comique de ces gens, parce que c'est des vrais voleurs. Quand je vois les RPG, je dis, c'est un acharnement contre nous. Ils veulent seulement éliminer nos cadres, ils veulent faire ceci ou cela. C'est faux, vos cadres sont des voleurs RPG. C'est des vrais voleurs. On les accuse du vol des milliards de la Guinée. Ils disent qu'ils n'ont rien pris, qu'ils n'ont que leur salaire. Et bizarrement, c'est eux qui sortent avec des milliards pour demander la liberté provisoire. C'est des voleurs. C'est des voleurs. Alors, je vais vous parler de ma déception du gouvernement Béabogui. Regardez ce que le gouvernement Béabogui est en train de faire. Les dirigeants guinéens jusque-là, moi je me dis, est-ce qu'ils font exprès de nous montrer qu'ils ne sont pas instruits? Ou c'est quoi? Pourtant, en les nommant, on nous dit que c'est des gens qui ont fait de hauts niveaux d'études. Moi, Amiral Dak Kamano, je me suis limité à 11e année. Je n'ai pas fait bac, je n'ai pas fait l'université, je n'ai rien appris, que je me suis limité à 11e année, quand je suis parti en 2003 en aventure. Et depuis là, je suis dans l'aventure, je ne fais que m'auto-former moi-même. Tout ce que je parle aujourd'hui devant vous, mes analyses ou quoi, mes compositions en musique, je me suis auto-formé moi-même. Et ces gens qui ont eu des diplômes jusqu'à la Sorbonne, ces gens qui sont partis étudier aux États-Unis, étudier de par le monde et nous revenir, ils font exprès ou ils font semblant comme s'ils ne connaissaient rien, ou bien c'est une façon de manger, de se moquer du peuple. Je vous explique. Le mot être proche du peuple, ils n'ont rien compris de ça. Quand on dit à nos dirigeants être proche du peuple, ils pensent que c'est de te déplacer, aller t'arrêter gaillardement entre le peuple, entre la population, pour venir s'arrêter et prendre des photos. C'est ce qu'on dit être proche du peuple. Mais ça ne va pas chez ceci-là ou bien quoi. Ils pensent que c'est de venir sortir avec leur gros ventre ou bien avec des vestes qu'ils portent pour faire des photos publiées devant sur la page du gouvernement ou bien autre là sur leur propre page, que c'est de ça qu'on se nourrit. C'est ça être proche du peuple. Est-ce que les gens là connaissent vraiment la définition en politique d'être proche du peuple? C'est le programme que tu donnes au peuple qui doit te rapprocher du peuple. Et non ta présence physique qu'on demande. C'est le programme donné au peuple qui doit te rapprocher du peuple. Mais pas ta présence physique qu'on a besoin devant le peuple pour dire que tu es proche du peuple. C'est pas ça. C'est pas sortir dans les rues, monter ta main, sortir de la voiture, faire comme ça là qu'on dit que tu es proche du peuple. Ce n'est pas ça, Doumbouya. Ce n'est pas ça, Mohamed Béabogui. Ce n'est pas ça, tous les ministres de ce gouvernement. Vous abusez trop. On veut des projets qui vous rapprochent du peuple, des projets qui donnent de l'importance au peuple, des projets qui viennent sortir le peuple dans cette souffrance. C'est ce qu'on appelle être proche du peuple. Il y a la vie chère. Vous apportez, vous nous envoyez un programme qui réduit cette vie chère de la population. Vous êtes proche du peuple. C'est ça qu'on appelle être proche du peuple. Quand les gouvernants sont loin du peuple, le peuple souffre. Et quand les gouvernants soulagent le peuple, ils sont proches du peuple. C'est ce qu'on appelle en politique être proche du peuple, mais pas la présence physique. Eh mon Dieu! Les cadres guinéens, vraiment, je ne comprends pas comment vous êtes. Pourtant, vous nous faites croire que vous avez fait des grandes études et que vous êtes des politologues. Vous êtes tous, c'est vous qui connaissez tout dans ce pays. Pendant que la simple définition d'être proche du peuple, vous ne connaissez pas. Quiconque vient, il prend son petit téléphone, il s'en va entre 4, 5 ou 10 jeunes, il prend la photo, il dit qu'on est proche du peuple, on est prêt pour le peuple. Attends, c'est ça être proche du peuple? C'est ça être prêt pour le peuple? C'est bizarre, hein? Mais c'est bizarre. Attendez-moi. Dans la souffrance dont les populations des Zéro connaissent actuellement,
Parce que c'est là-bas que vous avez débarqué. Votre présence là-bas, là, depuis hier, là, ça change quoi dans la vie de la population des Zérékoré? Ça remplit la marmite de la population des Zérékoré? Ça change quoi dans leur vie? Votre présence là-bas, pour aller si ce n'est pas aller faire de l'arrogance devant eux, aller vous montrer devant le peuple pour dire que c'est vous les ministres, ou allez vous arrêter devant quoi pour faire des photos, montrer que vous êtes proche du peuple autre là. Qu'est-ce que vous avez changé hier dans la vie des habitants de Zérékoré? Dites-moi, cette réunion a changé quoi dans la vie des habitants de Zérékoré? Quand vous avez été là-bas, ça a remis en place les business des jeunes qu'on a cassés à Zérékoré. Est-ce que ça a remis les affaires là en place? Dites-moi, quand vous avez été là-bas, faire votre réunion là-bas, là, ça sert à quoi? Zérékoré connaît quoi de ce que vous avez dit hier là-bas? Ils ont eu ça là, ils ont eu quel intérêt dedans? Est-ce que votre réunion là a donné aujourd'hui 1 dollar à tous les Zérékoréka? Dites-nous. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. Vous pouvez être à Conakry et que vous soyez proche du peuple si vous travaillez pour le peuple. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous a pas appris que pour que la Guinée soit reliée à un seul point, pour dire que la Guinée est ensemble, il faut ouvrir les voies. Il faut faire des routes. Regardez, prenez l'exemple. Votre village, si votre village est une sous-préfecture, pour que votre village soit connecté, parce que c'est ça être proche du peuple, soit connecté de ses districts, soit connecté de ses petits villages, il doit d'abord faire quoi? Vous désenclavez la sous-préfecture à ces districts. Vous désenclavez des districts à ces petits villages. Avec des routes, le village se rapproche. La sous-préfecture se rapproche. Quiconque veut aller tout de suite de l'autre côté, il peut sortir immédiatement, aller en quelques minutes ou en quelques heures. C'est ça qu'on appelle être proche du peuple. Mais vous pensez que c'est vos gros ventres là qui vont nous donner le manger quand on va regarder ça? Ou c'est des vestes que vous voulez nous montrer? Vous achetez des vestes en dollars? Vous achetez des vestes en euros? Pour venir vous montrer vos coiffures de barbe ou bien de tête, que c'est ce que le peuple va manger? Non, mais vous nous prenez dans ce pays pour des cons. On vous demande de travailler pour le peuple, de faire en sorte que le peuple soit à l'autosuffisance alimentaire. C'est vous qui venez nous montrer vos arrogances. C'est vous qui venez à Zérékoré pour venir tenir des réunions. On va faire à Zérékoré, après Cancan, après l'Abbé, après tel. Ça sert à quoi? Du populisme. C'est du populisme. On n'a pas besoin de vous là-bas. C'est pas là-bas on a besoin de vous. Ce n'est pas vos réunions bizarres là. On a besoin de voir. On veut voir dans la réalité. Concrétiser vos programmes que vous avez en main. Si vous n'avez pas de programme, quittez. D'autres personnes vont venir. Si vous n'avez pas de programme à faire pour le peuple là, foutez-nous la paix. Derrière ça, vous êtes en train de dilapider nos fonds pour aller à Zérékoré. Soyez honnêtes devant vous. Sur la tête de vos enfants. Soyez honnête. Chaque ministre n'a qu'à dire combien de millions il a utilisé pour aller à Zérékoré. Non, dites-nous. Chaque ministre n'a qu'à dire honnêtement combien de millions il a utilisé pour aller tenir une réunion à Zérékoré. Une simple réunion. Un simple conseil des ministres. Dites-nous, vous allez voir que vous êtes en train de foutre le pays là à l'air. Vous êtes en train de vous moquer de ce pays. Et je ne sais même pas par quelle voie vous êtes parti. Par arrogance, peut-être que vous êtes parti en avion. Parce que personne ne veut traverser à pied pour voir, pour voir ce qui se passe. Je pense bien que vous êtes parti en avion. Et la location de l'avion, vous avez l'avion? La Guinée a quel avion? La location d'avion par jour, vous connaissez combien de mille euros ou bien combien de mille dollars ça fait? C'est la vie d'une centaine
Merci, ma chérie Chimène. 12 millions, on vous dit ça. Je ne sais pas si c'est en franc guinéen ou quoi. Que 12 millions. L'avenir de certains jeunes, même si on le prend à 12 millions de francs guinéens par jour, vous prenez l'avion là pour aller et vous avez l'intention de partir dans les régions pour tourner comme l'a fait. Ça dit, vous suivez les traces d'Alpha Condé. Tout ce que Alpha faisait, c'est ce que vous venez nous faire. Tourner les fêtes de l'indépendance, vous aussi vous venez. Tourner les conseils des ministres dans le pays, ça sert à quoi? On mange vos conseils? C'est ces réunions-là on mange? C'est ces réunions-là on mange? Mon frère, ouvrez vos esprits. Le premier ministre Béavogui, ouvrez vos esprits. C'est du populisme. Et derrière votre populisme, vous êtes en train de dilapider nos fonds. Parce que l'argent que vous utilisez, vous êtes proche du peuple. Honnêtement, sur la tête de vos enfants, qui a dormi avec le peuple quand vous avez été à Zérékoré? Qui a dormi avec un jeune de Zérékoré dans sa maison? Parce que vous voulez être proche du peuple, non? C'est ce que vous voulez. Qui est allé dormir dans une case à Zérékoré? Vous allez vous flanquer à l'hôtel, vous prenez notre argent, vous mangez, vous détruisez, et vous venez nous dire que vous êtes proche du peuple. Ça, c'est être proche du peuple. Qui a dormi avec le peuple? Qui de vous a dormi avec un jeune de Zérékoré? Vous étiez tous à l'hôtel. Et ça fait combien de millions pour une nuitée de vous? Plus de 25 ministres. Une vingtaine de ministres. On admet que chacun, pour sortir son argent de poche, le minimum fera 10 millions. L'argent de poche, pourtant, ce n'est même pas ça. C'est plus que ça. Vous n'avez pas de programme. Vous n'avez rien. Tout le temps, c'est vous, conseil des ministres. Article Wong Wong, article Wang Wang, article Bobon, article Warang, article... Toujours les articles. On ne voit rien derrière. Mais vous n'avez pas honte. Après, on dit que c'est eux, c'est les intellectuels. Ils nous viennent de l'Europe. Ils nous viennent de ceci. Ils ont fait la Sorbonne. Ils ont fait ceci. Vous êtes fous. C'est faux. Vous n'êtes rien. On préfère des villageois. On préfère un genre Lansana Conté qui n'a jamais fait l'école que vous. Parce que Lansana Conté, malgré il n'a pas étudié, mais au moins... Le panier de la ménagère guinéenne était à la norme. Qui a vu des mendiants répandus sur tout le territoire guinéen? Qui en a vu autant de Lansana Conté? Personne. Les gens avaient même honte de mendier. Mais nye, tout le temps, c'est eux qui font foie, partout ils passent. Des comédiens réunis. Après, ils vont nous dire qu'ils sont proches du peuple. Ça, c'est être proche du peuple. Demandez au ministre de l'Agriculture qui est avec vous. Le pays est en manque d'intrants. Ils sont en manque d'intrants. Regardez sur sa page. Il y a un jeune de Guékédou qui est venu lui dire, Monsieur le ministre, on est en manque d'intrants. On est en manque d'engrais. L'année dernière, c'était à tel. Le prix est varié tel. Qu'est-ce que vous proposez pour le peuple? Jamais il ne donnera la réponse. Nanyaleng, demandez-lui s'il a donné la réponse. Nanyaleng Bari n'a pas donné la réponse. Il a pu donner la réponse à qui? Un jeune vient lui dire, Monsieur le ministre, j'ai entendu sur FIM FM de la bouche de Akumba que vous êtes toujours avec vos amis d'enfance tout ce que vous faites pour les sorties, vous le faites avec vos amis d'enfance. Un ministre qui se permet de dire que oui, que je le fais, je sors avec eux, je les ai même nommés autour de moi, ils m'aident et ils me protègent. Je suis venu, j'ai dit au ministre que tu as raté ta réponse. Toi, tu as besoin de quelle protection? Quel ami peut te protéger si ce n'est pas Dieu? Au moins, tu pouvais dire aux jeunes, oui, je suis d'accord, j'ai mes amis autour de moi. J'ai nommé des amis autour de moi pour m'aider.
à accomplir la mission que toi, jeune, et toute la Guinée m'avons confiée. C'est pour cela, parce que c'est des jeunes qui ont une probité morale, c'est des jeunes qui ont une qualité. C'est pour cela que je les ai approchés afin que qu'ils m'aident à accomplir la tâche que vous m'avez confiée. Mais tu viens dire devant un jeune carrément que oui, tu l'as fait et tu dors même avec eux, tu les as même nommés, ceci, cela. Les gens viennent se moquer de ces jeunes. Finalement, le jeune même t'a apprécié. Ça, c'est une honte. Ça, c'est une honte. Regardez. Tous les jours, c'est eux qui publient des photos. Morikwandeba, Nanyalemba, Kouaba, Ipopopa, Ibababa, tout. Tous leurs problèmes, c'est photos. Ils se sont même acheté des iPhones pour faire des photos pour montrer au peuple. Ils s'en vont s'asseoir dans les cafés. Ils sont en train de boire les cafés. Ils prennent les photos. Être proche du peuple. La vision vers le peuple. Le rétro. Quoi là, je ne sais pas, vers le peuple. La tente vers le peuple. Menteur. Vous n'êtes pas près de nous. Parce que nous souffrons encore. Si vous étiez près de nous, nos souffrances allaient diminuer. Quittez encore Zérékoré, continuez à Cancan. Après Cancan, partez à Labé. Après Labé, partez à Boké ou Kindia. Faites comme bon vous semble, mais ça ne vous rapprochera pas du peuple parce que vous n'avez aucun programme. Et si vous n'avez pas de programme, mes frères, fuck off. Get down. Sortez néant. Si vous n'avez pas de programme, allez, partez. On n'a pas besoin de vous. Laissez d'autres Guinéens venir. On a applaudi pour vos nominations. On croyait que voilà des jeunes. Ils sont à 75% des jeunes. Il y a jeunes Guinéens là. Il suffit seulement de le mettre à la place. Là où il y a l'argent, il va te montrer c'est quoi sa vraie face. Quand il n'a pas l'argent là, il te montre qu'il a trop de projets en tête. Trop de projets en tête, comme certains frères, dès qu'ils n'ont pas d'argent, ils te disent qu'ils ont des programmes. Tu les appelles maintenant, tu leur dis, montre-moi le projet que tu veux faire, je vais te préfinancer. Ils sont incapables. Je vis plein ici avec des jeunes. Ils me trouvent pour me dire qu'ils ont des projets, ils veulent le faire. Mais dès que je leur dis, mettez-vous dans l'agriculture, vous pouvez prospérer, je suis prêt à vous préfinancer, ils ne viennent plus. Ils disent toujours, ils font des projets sur papier, ils veulent que tu prennes l'argent que tu as lié en bas du papier pour les donner et ils vont aller. Après, c'est toi qui vas marcher derrière eux pour savoir est-ce que vous exercez ça bien. J'ai un domaine ici, je les ai dit, j'ai un domaine de 10 hectares quelque part qui n'est même pas utilisé. Venez, je vous envoie sur ce domaine, je finance. Les jeunes sont incapables de le faire. Toujours avec des papiers en main, en train de marcher de bureau en bureau, qu'ils veulent avoir des postes. Rendre l'intégration à la fonction publique, ça sert à quoi? Voilà, c'est pour devenir encore des menteurs comme ces ministres-là. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Mes frères, ces gens-là, je ne pense pas. L'équipe de Béavogui, là, je ne crois pas. Ceux-ci-là ne feront rien. Ils ne feront rien. Ce n'est même pas grave. On devrait même comprendre. Quelqu'un qui abandonne son salaire en Europe. Ils disent qu'ils ont des salaires là-bas. Qui abandonne son salaire en Europe. Il vient pour être ministre. Salaire là. Vous croyez à ça? Vous croyez à ça? Vous ne pensez pas que c'est être ministre là qui les arrange? Parce que là, ils vont tout réunir et ils prennent, ils s'en vont. Après la transition, c'est fini. Il n'y a pas de calcul derrière parce qu'on dit toujours que c'est une période exceptionnelle. En partant, tout doit être vite. La République redémarre à zéro. Poro, j'ai même ri quand je le voyais regarder mettre des drapeaux rouge, jaune, vert au gouvernorat de Zérékoré et autres là. Vous pensez que c'est rouge, jaune, vert, on mange? Nous, on a le rouge, jaune, vert dans notre sang.
Si vous, vous pensez que c'est attaché au gouvernement des Érékorés qui fera de vous les Guinéens, nous, rouge, jaune, vert, c'est dans notre sang. Tu me blesses tout de suite là. Le sang qui va couler, c'est rouge, jaune, vert. Ce n'est pas un drapeau, moi, je vais mettre sur ma tête ou bien attaché quelque part qui fera de moi un Guinéen. Moi, le sang guinéen vit, coule en moi. C'est vous qui cherchez des drapeaux. Mais nous, les autres qui sommes ici, là, nous, on a le rouge, jaune, vert dans notre sang. Je vais vous dire ça. Prêt pour la refondation, prêt pour la je ne sais pas comment, la réforme. Vous êtes prêt pour la refondation, mais vous travaillez toujours avec l'ancienne administration d'un régime renversé. Et vous nous parlez de refondation. Vous renversez un régime et vous continuez à travailler avec l'administration du régime renversé. Et vous nous dites prêt pour la réforme, prêt pour la refondation. Réforme avec la salité, réforme avec la poubelle laissée par Alpha Condé. Vous vous foutez de nous. Mais mes frères, allez-y au diable. On s'en fout de vos conseils tournant là dans les régions. On s'en fout. Donnez-nous un programme. Et n'oubliez pas, vous avez trouvé des programmes. Achevez ces programmes. On est en manque. Le carburant, allez dans les stations. On souffre des fois pour le carburant. Les pompistes jouent avec le peuple. Ce carburant, vous prenez pour envoyer dans d'autres pays. Après, vous venez nous dire que la vie chère est en Guinée. Vous refusez de subventionner les agriculteurs, de subventionner les éleveurs, de subventionner les pêcheurs, de subventionner les artisans, de subventionner tous les hommes de métier qui sont dans ce pays, qui peuvent rapporter quelque chose à la Guinée. Vous préférez aller tenir des conférences, des réunions devant nous pour vous moquer de nous. Poro, ministre Koyo Koyo, ministre Yoli Yoli, ministre Yolo Yala, c'est vous-même. Vous êtes vraiment des ministres Yolo Yala, des Koyo Koyo, des Yoli Yoli. C'est vous. Vous ne faites rien pour la Guinée. Poro, combien de mois? Bientôt un an. Vous avez maintenant combien de mois? 5 mois et quelques. Rien de positif. Tout le temps, c'est des photos, on regarde. Moi-même, j'en ai marre maintenant de voir. Je ne sais même pas pourquoi je me suis abonné encore à vos pages-là. Parce que dès que vous publiez, quand je vois ces photos-là, ça me brûle le cœur même. Je ne peux pas encore me désabonner parce que je veux vous voir pour connaître ce que vous faites et mettre le peuple au courant de ce que vous êtes en train de faire rapidement pour qu'il sache les mensonges que vous êtes en train de donner. Merci beaucoup, mes frères. On va se quitter. C'est ce que j'avais à vous dire en résumé. Je vous ai parlé en résumé. On a parlé de l'arnaque du CNT, comme je l'ai dit, c'est des gens, ils nous ont arnaqués. Ni le CNT, ni le CNRD n'ont pu donner au moins le début de la transition. Et jusque-là, on ne sait même pas si on est en transition, si on est en pré-transition, si rien n'a été encore fait. On attend encore quand va commencer la vraie transition. Jusque-là, on ne sait pas. Et de deux, Kassori, Fofana et si qui se sont dit avec le RPG qui ne sont pas des voleurs. On les accuse de vol de milliards et ils ont dit qu'ils ne connaissent rien, qu'ils n'ont jamais volé et c'est eux qui demandent leur liberté provisoire avec des milliards. Donc, un voleur de milliards, liberté provisoire avec des milliards, c'est que tu es voleur. Partout, toujours là, ça parle de milliards, milliards à côté. Donc, il y a ça. Et finalement, les ministres à Érékorée, ça n'a rien donné à Érékorée, ça ne donnera rien à Érékorée, ça ne donnera rien au peuple de Guinée parce que c'est du populisme et derrière le populisme, ils sont en train de dilapider nos fonds, demander leur, ça dit combien ils ont décaissé pour venir tenir une réunion seulement entre eux à Érékorée, combien a été débloqué. Vous allez vous rendre compte que c'est l'avenir des centaines de jeunes Guinéens
qu'ils ont brûlé pour juste une réunion d'un jour. Ils ont brûlé l'argent qui est équivalent à l'avenir de 100 jeunes en Guinée, voire 200 jeunes en Guinée. Merci beaucoup, Amiral Dakamano, pour vous. Allez, peut-être d'ici la fin de la semaine, je viendrai avec certaines révélations. Je suis en train d'accumuler. Quand je vais les balancer, les gens là, ils vont se taire. Et pour le moment, ceux qui sont en Europe, qui ont fui ici, qui ont des dossiers à la justice ici, le FNDC doit porter plainte contre eux en France, tel qu'est Macanera. Je viendrai avec ce dossier. Il faut porter plainte contre Macanera là-bas, le traquer là-bas, le retourner en Guinée. Il va venir hoa hoa ici devant nous. Il va aller à la CRIEF. Donc, je viendrai avec ce dossier. Merci beaucoup. Bonne journée. Et toujours là pour vous servir. Ya Rastafari, Amiral Dakamano pour vous. Allez.